On a plus d'acier. Qu'est-ce qu'ils foutent, pensant? Qu'est-ce qu'ils foutent? Hé! Et vous là? Vous êtes où? Impossible plus! Eh mais c'était fou! Dépêchez-vous! Bienvenue au paradis du grenier. Déjà, la chose la plus simple, ça va être de construire toutes les habitations possible. Du calme, du calme. On va créer des petits abris, voilà. Comme ça, ça tourne comme sur des roulettes. Il fait un peu frisquette. Ok les copains, faut faire une putain de réserve de charbon les gars, parce que là on est foutu sinon. Ok, c'est le matin. Ouais, oh, il fait froid, il fait froid. J'ai pas le choix. Je sais pas quoi faire pour vous, en fait là. Je suis un peu en PLS, il y en a 5 qui se touchent les couilles. Comment faisiez-vous? Alors tout le monde travaille là. Vous allez devoir organiser les célébrations de Noël. Allez, let's go. On n'a pas de rations les gars, on n'a pas de rations. C'est la merde. Et ensuite 10 autres, c'est des copains. Bah écoutez les copains, ils vont les filer un coup de patte comme on dit. Le stock est plein. Avoir des cadeaux, ils me font chier avec leur Noël si vous sors déconner quoi. Oui allez, on a 54 de bois, allez, c'est bon on a assez de bois. Allez mon petit, tiens c'est cadeau. Tu joues en bois, c'est mignon non? Oula, par contre là ça pèle un peu là. Allumez le chauffage. Le bois est encore plein. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a personne qui s'en occupe. Je me suis planté comme une vieille merde. Mais quel gros con. Ça servait juste à collecter et pas à entreposer. Les étoiles scintillent sur le générateur tandis que les gens rentrent chez eux pour partager leur joie avec leur famille et leurs amis autour d'un repas. Les enfants ouvrent leurs cadeaux et n'arrivent pas à en croire leurs yeux. Peu importe ce qu'il adviendra, le souvenir de cette soirée spéciale restera gravé dans la mémoire et leur donnera espoir dans les temps difficiles. L'espoir augmente beaucoup, bon travail! Wouhou! C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Oh boulot! Chez vous là! On arrive pour l'instant à bien gérer notre communauté les amis. Toutefois certaines de ces personnes voudraient bien rejoindre notre ville. Oh oui, il y a du monde! Oh il y a du monde! Excusez-moi. On va créer un petit lieu de prière pour le Saint-Grenier. Priez le Saint-Grenier, messieurs dames. Priez le Saint-Grenier. Il faut prier le paradis du grenier. Et donc le paradis du grenier. Alors, vous devez lancer le chauffage dans 18 maisons froides. C'est 24 heures. Je vais garder pendant 2 jours. Ok, mission accomplie. Mission acceptée. Ici, ce sera le paradis, les enfants. C'est parfait. Que demander de plus? On n'a pas assez de bouffe là. On va manquer de nourriture par contre. Hein. Oh, qui m'appelle? Merde. 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 De la soupe, ma gueule. Nous n'avons guère le choix. Waouh, enfoiré, c'est moins 40 degrés, les gars. Mais vous, là, vous faites quoi? Vous dormez ou quoi? Mais qu'est-ce que... Je me suis planté. Putain, c'est pour ça que ça marchait pas. Quel baka. Il meurt parce qu'on se trompe. Juste de bâtiment. Tiens, je veux dire, mais... Futur chef, c'est très froid. À moins 40, je confirme. On va les maintenir en vie. Voilà. Moins 70 degrés. On se peine le cul. Oh mon dieu, j'ai le froid sur moi. Assistez! Béton! C'est la merde! C'est la grosse merde! Ah, restez chez vous! Ils crèvent tous comme des mouches! Oh! Tous ceux qui sont morts, quoi, je suis espanté! Au boulot là! Si on a pas de bouffe, on a rien et eux ils foutent rien quoi! Seul au monde! Pauvrette! Putain les gars, on a beaucoup de trucs et tout, mais vous êtes pas contents là, on a plein de ressources, on a plein de trucs. Ça vous va jamais. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ça vous va jamais. Corps, sans sépulture. Sans sépulture, merde. Un cimetière, il nous faut un cimetière. Créer un cimetière s'il vous plaît. Bon ça se construit petit à petit hein. Oh je vous jure ça donne froid et tout. C'est horrible. Allez les gars, il est 5h du matin là. Au boulot. On se dépêche.
50 malades. Soignez-la. Putain. Heureusement que le chauffage tourne à 24, moi je vous le dis. Ok, stop, 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 stop. On a 93 personnes qui sont en train de se geler les rouvignoles dehors. Tant pis, on va créer des petites habitations comme ça. Allez, les funérailles, allez, allez. Les funérailles, qui a le temps pour ça? On a le temps pour ça, messieurs, dames. C'est important, nos morts. Voyons, ils ne sont pas des monstres. Je vous jure, ces gens-là. On n'a plus d'acier. Qu'est-ce qu'ils foutent, pensant? Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh! Et vous, là? Vous êtes où? Imposez plus! Eh, mais c'était fou! Dépêchez-vous! Vous croyez quoi? Que c'est en se tournant les pouces qu'on va y arriver là? Il fait moins 50 degrés dehors, il y a 80 mecs qui dorment dehors là? Oh là 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 là! Oh là là là! Oh là là! What? Arrêtez! Tout le monde doit travailler! C'est important! S'il vous plaît! Voilà, comme ça, les dortoirs. Confortable! Mouah! Magnifique! Arrêtez de mourir, on est bien là! Regardez, tout le monde a chaud, tout le monde est confortablement installé dans cette petite maison. 30, moins 30, c'est rien! Vous travaillez même pas d'heure sup, y'a rien là, arrêtez de mourir! Ça pue le messire. Les gars, j'ai le charbon au max! J'ai le bois au max! Ils ont de la bouffe! Tout est chauffé! Regardez le mécontentement qu'ils ont! Quoi, la messe ne leur suffit plus? Faut leur faire quelque chose de beaucoup plus. Gros! Même de mieux. Une messe spéciale, grenier. Je pense qu'il est l'heure, messieurs, dames, d'utiliser pardon, notre plus gros atout. Le paradis du grenier.